Au début, son débit nous fit de beaux débats, tout autant que tapis nous fit de beaux tabacs. Mais ce second couteau sombra dans les combats, et son nom de Léo devint vite les bas. Un début de sa vie étant d'être un illustre, il s'aperçut alors qu'il lui faudrait des lustres pour se désenliser de sa prison lacustre et pour enfin poser son buste sur balustre. Si loin des projecteurs, de la scène et des flashs, qu'il est dur de refaire pousser son panache, de tenter d'effacer d'indélébiles tâches qui vous marquent à jamais une belle ganache.